Diafalzan jay tumnikas karam anjay anopov izay nitanarana mozan de William Marasoanevo fa efa aini panaraka no ipov ni sini ano efa etsenjere no mozany azo atao hoe journaliste caricaturiste dessinateur de presse asa caricature asa hitatra ny fiteny malagasy raha tsy diso ary vo atao hoe vo mafana ihany koa ny Book irais et une fois que t'as un petit jour et fait ta papoule en zénia, mandirat t'y soit. Manoura geno, roman yanku, arrivolorisa tiketol, sandre san, absorto, va dire, gassoulou et ton casquer et nos pauvres. T'es mi araba, noa manitana, t'es mi araba, ne pien d'outan d'atil casquer, et d'une sotana renou ni fandresan. Ah, sotana no, yanku, naneki, rani. Fafataran ny tantaranao dia fa fo efa roapolo taona mahery kely ary izany na mahery be no hoe nanao dessinateur de presse ianao tantarao kely pauvy hoe ahoana nanomboanao an'ity carrière dessinateur de presse ity ny tena ny atomboko izany zahako a tsy hoe nianatra nanao sary na nianatra nanao dessin de presse fa tia manao sary ahako a hatrammbola kely dia tia mitantara ny zavatra manodidina anahako taranjana finahitra anany ny tantara tany an-tsekoly sy ny siansy dia nanao sary tena izany dia mitantara ny zavatra hitako manodidina nanomboka tamin'ireny crise tamin'ny 91 ireny mbola mpianatra tamin'ireny fa efa nyzatra manao miaino vaovao aho mahita ny tahitsy zilibero amin'ny tele eo dia miaraka amin'ilay volony borolina be iny dia manao ny sary iny ah zany dia tamin'ireny izany no nizarako nanao sary efa nahazatra anahy dia nohony tonga ny taona dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo a nisy dadatohako izay nanana gazety hoe ilampy gazety ny voaka tao ambatolampy tao dia o zay avia lahalahy tia manao sary a manino lahy raha mba manao sary kely dia ina ny sary tia ny dadatoha tao a dia sary miresaka ny zava-misy e zava-misy ny tatsaha tamin'io a dia teo izany a nanomboka ny zatra manatitra sary any amin'ilay gazety ilampy a dia nanomana anazy a amin'ny lafiny ray satria noho ny tonga teo amin'ny taona fito amby sivifolo sivinjato sy arivo nisy tolotrasa tao amin'ny gazety Midi Madagasikara hoe mitady mpanao sary an-gazety dia tonga dia nivatravatra be ako hoe za kosa efa nanao sary tao amin'ny gazety tany Ambatolampy a dia andehaandehaandeha irotsaka amin'ity zavatra aty dia soanamo a nraisin'ny gazety Midi Madagasikara no sary tao amindreo dia nanomboka teo zany ka hatramin'izao a manao sary an-gazety foana dia aiza zao ianao amin'izao fotoana izao pauvy amin'izao fotoana zao zany a ny fonenako a aty amin'ny nosy maurice dia ny gazety l'express de maurice no fanaovako sary voalohany zany nanomboka tamin'ny taona enina sy roa arivo teo zany ny findra taty maurice dia niasa tamin'ny l'express de maurice fa teo amin'ny taona telo ambe folo sy roa arivo teo a l'express de madagasikara nanontany ary aho ohatra ka afaka manao sary ho an'ny gazety l'express any madagasikara koa aho dia nanaiky an'izay a zany dia nanao any lasa nanao sary ho an'ny isan'andro an'ny gazety any Midi Madagasikara l'express madagasikara koa akoatra n'izay ataoko atya maurice izay indrindra ina tsara ny tena tanjo ny dessinateur de presse pauvre satria tsy fantatra na te ampome na te anohitra na te hitantara zavatra tsotra fotsiny io zany ny ho anahy manokana ny tsara angazety zany de ohatrany hoe fanaovana commentaire commentaire ny zava-misy ny fiainana andavanandro le resaka mampiome a apahany afahan'le afatra ho tonga moramora kokoa sy mba hitoetra fa le tanjona tsy de ny ampiome loatra satria tsy voatery ampiome le izy nandray fa nandray koa izy mahasorena de fa ho anazy zany a misy zany hoe mpanao commentaire ny fiainana andavanandro atsoratra tenena tsary zay zany tena tanjona am'le izy zany de le izy tsy zay tena hoe voatery hoe anohatra zany fa matetika hitanao le hoe nanongotsongona ny matony mba tsy andehavenana ny velona ny amisavisana ny ratsy mba hiaviany soa de le eo am'le ho anazy zany le asa fanaovan-gazety a karazany hoe mampifanilany mizana ihany zany fa mba tonga izy hoe tsy de tena hoe mpanohatra foana na hoe mpitondra foana fa io moa ny asa fanaova gazety matetika amin'ny raisina hoe contre pouvoir dia ohatrany hoe mpanohatra fa tsy opposition fa contre pouvoir le izy zany matetika no atao azo lazaina ve pauvy hoe olona engagé raha mijerany
ny sara ataonao moa zany inona ny tena filamatrao zany ankoatra aloha hoe ny anao fiangonany matsy ny karazany ireny a atao hoe misy tanjona ve raha eraky raha ny fianam-pirenena zany ara-tsosialy ny mponina ny mpitondra iza ny tena ohatrany hoe kendrenao eritreritra sy ho tonga saina amin'ireny raha izay ny fandrasana azy Ozy ianao hoe engagé dia iny engagé mihitsy aho inona moa ilay engagementko na hoe firotsahako dia engagement amin'ny fiainam-pirenena zany amin'ny maha-olom-pirenena anahyko dia inona ny fahasoavana ny fanasoavana ny firenena amin'ny lafiny zay tandrify anahy zany e za tsy mahavita mizara vary sy ny sisa sy ny sisa fa mety hoe fanasoavana ny fiainam-pirenena vitako araka ny lazainao teo hoe mety misy afatra zaraiko mety mitovy hevitra amina hevitra hitovizana fampizarana amin'ny olona maro io a mety hanasoa ny firenena ohatra zany hoe tia nitranga misy amin'ny fiainana politika dia mety ianao zany le mitoerako zany hoe mety hoe manondro hoe ry misy zavatra tokony hatsarainao ry misy zavatra tsy mety io zavatra ohatrohatra izany zany le ataoko dia raha misy tompona andraikitra no any isatsokaza mahita hoe eny tokoa misy vahaolana azo atao amin'io ka andao vaina dia everiko hoe tratra ny tanjona ho anahy manokana efa nisy nanamarika anao ve tamin'izay ohatrany hoe misy sary hitanao hoe tonga tamin'ny tanjona nirinao ianao nikasainao atao io zany a sarotra be satria le olona tsy tena hoe tena nahita an'la sary nataonao ako dia nanova zavatra fa nazara ny mpamaky sariko sy hitako maso akory tsy haiko raha misy mpamaky io na tsisy mpamaky fa mino fa misy mamaky izy io satria misy olona manafitra anao hoe tiako la sary nataonao dia misy zany la mpamaky fa tsy hitako maso akory hoe misy olona amiteny hoe ti sary nataonao ti pôzy any tena mifandray tanana mpilalao fa ohatra zao a rehefa misy olona miteny hoe misy sarinao a afaka ampiasainay ve ho fanentanana ny olona ohatra hoe tsy anary fakoeran'ny tatadrano dia anentanana ny olona mba satria tondra drano rehefa feno ny tatatra sy ny sisa dia misy sarinao zay a tianay ho ampiasainy dia mieritreritra hoe matoa le olona iny mieritreritra hoe ny sary iny ho ampiasainy amin'io a dia satria everina hoe misy mipakany amin'ny olona any iny dia misy fiatraikany dia izay zany fomba kely hafahako mahitya ty zavatra ataoko ity zany misy vokany ihany a matoa olona mpikirakira resaka serasera sy ny fiainananotro drano zany manapa-kevitra mi teny hoe ti sary ty ndeha ho ampiasainy dia inoko fa izy mahita hoe mety misy vokany izay zay aloha zay le olom-pirenena fa le matetika koa ny asianao dia ny mpitondra mpanao politika inona indray ny azonao avy amin'ireny mpanao politika ireny maso tsindry ve anao sa ahoana ny tena fandehana tsy mampatahotra anao ve ny hoe anao zao any morisy zao ianao dia ody any madagasikara ianao nefa ny raha ohatra zao nita fotsiny tamin'ny herinandro dia le vaksiny sy rakina vaksiny be dabe dia akaikiny eo misy CVO somary tsy fantatra na anisy anao na tsyanisy fa mety atatra ve ianao ody any amin'nytanodrazana amin'ny tsongo mafy tsindraindray ataonao amin'ny sary mampieritreritra aloha izay fantanyio zay tokoa satria ny tena tiako andefanny akoatra ny olom-pirenena amin'la afatra dia iny indrindra reo mpandray andraikitra eo amin'ny firenena zany tena tiako andefana afatra hoe satria zareo no mahafaka manova ny zava-misy dia akoatrany hoe daholo be zany fa ny azy mamoaka didy anankiray taratasy fotsiny izy dia efa miova voankasikidy daolo ho fiainantsika rehetrehetra dia iny zany hoe tena tsara tokoa raha ohatra ka le sary ataoko iny tonga any aminy dia zay andraso ty ovainao ohatra ohatra zao a tena zay ny zavatra hitariana raha hoe hevitra tsara la narosoko moa zany iny tsy dia hitako loatra ohatra ny andray fesana an'iny hoe nisy tompona andraikitra tany ampobro tany hoe nahita sary dia tonga saina tamin'iny izy dia nandray satria fanefa amintsika moako fa décret mivoakavoaka ny ampitsonyiny tampoka omaly tsy azo atao ny ampitso azo atao tsy haintsony hoe iza no taitra tamin'ny toromasony tao a sy ny inona satria zareo koa ny mpitondra milaza hoe tsy matory mihitsiny dia tsy hay hoe inona fa ny irariana zany hoe amin'ny faso zavatra masoa hoe mba misy zavatra hitany hoe tena tsy mety kosa rahanga le zavatra riry mpitondra dia manao sary ianao zany dia tsy hoe le sary fotsiny nanova azy anoko fa mety hoe le io le ny hevitry ny vahoaka maromaro zany e renao hoe tsy nisy hoe nandrao anara-politika eo amin'izay tsika zao manala sala be ley satria hitanao raha amin'ny ho anahy manokana zany a
ekeko mety mahatafotoana olona sasany le atao sary satria voki anao izy ny sisasisa nefany a amin'ny lafindray tsy tokony hoe zavatra mpatahotra anazy zany zany satria zahako a tsy manana fahefana hoe ampiseho hoe io ianao monsieur rabe fa mpangalatra tsy manao an'izay ako ary tsy manana profo an'izay ako na hoe io ianao ry madama fa reto ny secret anao rehetrehetra fa aborako tsy manana secret mihitsy fa nezany zavatra andavanandro eo ihany ny commenteko zany hoe tsy misy zavatra teny hoe vaovao hoetiko e fa fomba fijery no asehoako amin'izay lafa zay tokony tsy atahotra tria zavatra misy any ny averiko tantaraina za koa raha hoe mankeny amin'ny arabe zao tsy avory olona mihitsy ny hoe teny hoe miala ianao ry filompirenena tsy de mily loatra hoe isy mpanaraka ao arinako amin'izay lafa zay tsy hitako hoe manao zavatra atahorana fa miveny amin'ilay teny hoe tokony atahotra ve amin'izao fotoana izao a mampatahotra na misy olona mandray fanapaha-kevitra tsy ampiheverana raha ohatra hoe zany ka hitanao ohatra hoe cybercriminalité zao misy hoe raha mahatohitohina ny zavatra avoakanao de azo enjehana ianao de amin'izay lafin'izay mampatahotra anahako zay hoe raha indray marena zany misy taitra tamiko de tena satohana be tamin'ilay sarina ataonao iny a ampidiriko fitsarana ianao de eo mampanalasala anao hoe raha mody any madagasikara ve zahko a tsy de fina za aloha tsy olona tsy mieritra antenako hoe danger a nefa ny raha misy olona taitaimbombina tampoka any ampidiriny tampokapony zao ako a dia dimy taraiky any ako raha volana mety teny ah tsisy antona nyenjena anao tampoka kay za efa nijafajafa tary zay tsy de mbola fantatra loatra de ho za hoe aleoaloha eritreritrako avatsitsika amin'ny teny frantsay a iresaka ny tiboky tsika pôzy asa fa mitanao satria tiboky ty moa zany de narahanao nanoratra tamin'ny chercheur scientifique mpikaroka science politique azafady zany a niaraka tamin'ny ingenierina ianao a izy zany a mpikaroka amin'ny science politique ianao indray a journaliste caricaturiste azavaina amin'ny teny fohy amin'ny teny malagasy de hivadika amin'ny teny frantsay isika inona ny tena natonga anareo mirahalahy moa zany a mirahalahy satria ingenierina lehilahy raha tsy diso nataonareo na satria ianao tsy na tsy ohatra hoe dictionnaire zany tsy mahazatra miaraka resaka aminao nefa ny mahatonga sanaina koa mamaky azy inona ny tena na tapa-kevitra anareo ti amoaka n'ity dictionnaire la demokrasia de façade ity natonga anay sy andriniriana amoaka an'io boky io zany de misy fomba fijery zay iza ifampizaranay ary iombona anay mihitsiny de eo le hoe inona ny tsy mampandrosony ity firenentsika ity de rehefa mifampiresaka eo zay de misy lafinybe dabe efa nataoko sary a nefany koa hitany eo anatin'ny fikaroana ataony hoe tena mifanojo ireo zavatra reo a fa tena tsara mihitsy raha andaotsika ianao a manao sary za mandinika an'izy tia amin'ny lafiny anarako sy fandiniana ataoko andao a ampiarahana ny zavatra vokatry ny fandinia ataotsika momba andreo zavatra tsy mampandroso ireo de zay no natonga an'io boky io ohatrany hoe tsotra be ohatraotra hoe resaka mandeha ohatraohatrazay zany le izy fa vokatry ny asa samy ataonay any misy anay avoko Sotra no. Et donc, nous sommes avec Pov hein, pour la sortie du dictionnaire de la démocratie de façade qu'il a écrit à quatre mains avec Ingenierine, chercheur en sciences politiques. Pov qui est journaliste caricaturiste qu'on a vu chez Midi Madagascar, maintenant à l'Express Maurice, mais aussi l'Express de Madagascar. Première question, Pov, pourquoi dessiner avec avec une par rapport à un dictionnaire quoi là-dessus avec des mots finalement qui sont assez on en apprend même des mots hein, là-dedans est-ce que voilà comment ça s'est passé cette écriture à quatre mains et pourquoi alors moi et Ingenierie on a chacun de notre côté on a plutôt étudié ou observé plutôt observer ce que nous croyons être les freins au développement à Madagascar. Et nous sommes venus à être en accord sur certains points. Il y en avait tellement qu'on a pu en faire une liste, et d'une liste à dictionnaire, il n'y a qu'un seul pas. Donc, on s'est décidé, pourquoi pas, toi tu dessines sur des choses et toi tu écris, si on unissait nos efforts pour pouvoir, puisqu'on partage beaucoup de points de vue dessus, pourquoi pas en faire un livre
Et c'est presque naturellement comme cela que le projet s'est fait. Et on peut voir en fait que c'est les 60 mots. Alors, mots MOTS ou MAUX, c'est selon, hein, pour illustrer donc 60 ans d'indépendance républicaine à Madagascar de 1960 à 2020. Tout le monde en prend pour son grade là-dedans, finalement, c'est, même si ça sort en 2021, finalement, ça remonte toute l'histoire là. Exactement, parce que pour expliquer ce qui nous arrive, il faut vraiment remonter le plus loin possible. Étant donné qu'on allait célébrer, pas on allait, on a célébré les 60 ans d'indépendance, donc ça fait un jalon. C'est intéressant de voir. On aurait pu remonter jusqu'à plus loin que cela, mais déjà, on prend que on était indépendant, donc c'est un bon départ. Depuis cet instant zéro-là, il y a pas mal à dire et à redire. Et puis les 60, c'était bien, 60 mots, 60 ans d'indépendance, c'est joli à manipuler le chiffre. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un mot sur lequel vous n'étiez pas forcément d'accord en fait de vision et puis ça vous a amené à revoir comment exprimer par le dessin, comment l'exprimer par les écritures, parce que souvent, quand on compare les dessins, par exemple, et l'écriture, ça se rejoint quand même aussi, la plupart du temps. Et là, je vous dévoile notre secret. Il n'y a pas eu de difficulté justement parce que on n'a pas démarré par des mots. On a démarré par ce qui nous unit d'abord, et c'est à partir de là qu'on a recherché des mots à mettre dessus. Donc, c'était déjà quelque chose de fédéré avant d'arriver à trouver le mot qui va avec. On n'a pas nécessairement dessiné pour illustrer un texte ou écrit un texte pour accompagner un dessin, mais les dessins ont déjà été faits auparavant. Quelques dessins sont inédits. Et lui, de son côté, les études ont été déjà faites. Donc, il suffisait de matcher d'une certaine manière des dessins et une partie de ses recherches. Et de là jaillit le mot. Donc, c'était ça le secret qui a fait qu'on a pu progresser assez fluidement. Quelle est votre impression générale, du coup, en ayant fait ça? On ressent forcément quelque chose, hein. Quand, par exemple, je vois I comme indépendance et le dessin, il est sans. Je le montrerai tout à l'heure, hein, avec la vidéo, mais ça fait mal, quoi. 26 juin, après 26 juin, vive l'indépendance! Et puis après, Vaza, pour organiser nos élections. Enfin, c'est quoi, à Exactement. la sortie de cette écriture-là, de cet ouvrage? Voilà. Le fait qu'on a écrit les 60 mots, MAUX, il y a quand même quelque part ce goût amer que on n'a pas réussi. 60 ans après, c'est un pays qui n'a pas connu la guerre et qui a beaucoup de ressources, mais on se retrouve à un niveau. C'est documenté où est-ce que scientifiquement, où est-ce qu'on en est 60 ans après, quoi. Et ce goût amer-là, c'est ça qui, quelque part, c'est l'essence ou le moteur qui pousse à produire des choses pareilles. C'est cette envie d'exorciser quelque chose. C'est ça. Donc, il y a de ça beaucoup au-delà du fait qu'on écrit et on produit parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, mais il y a cette partie qui vraiment qui nous pousse vraiment à aller de l'avant. Et même, je dirais, on dirait, enfin, on dirait presque en fait que chaque page nous force, hein, nous force à nous remettre en question. Je vois, on regarde le dictionnaire de la démocratie, puis on voit aussi, par exemple, X comme xénophobie. Là-dessus, pareil, quoi. On se dit, on est à ce point-là. Enfin, c'est Exactement. Et xénophobie n'était pas un dessin publié dans aucun journal, parce que justement, c'est quelque chose de très personnel pour moi. Ça ne suit aucune ligne éditoriale d'aucun journal. Donc, il y a parmi ces dessins-là des choses qui sont très, très personnelles et pourtant qui font partie de ces non-dits dans la société malgache. On n'en parle pas exactement, on ne veut pas trop en parler, mais c'est là, quoi. Et c'était l'occasion de montrer du doigt, justement.
Donc c'est comme vous dites, c'est exactement, c'était l'occasion de pointer toutes ces petites choses que parfois on n'ose pas regarder de face et pourtant qui constituent un des freins à notre développement. En tout cas, cet ouvrage est sorti chez l'Harmattan, hein, aussi, donc Dictionnaire de la démocratie de façade par Pov et Anjanirin, préfacé par le professeur Raymond Ranzé, le président de l'Académie malgache. On espère pouvoir se le procurer à Madagascar aussi, parce que quand je regarde tous les forums et tout ça, c'est beaucoup de demandes. C'est assez facile de s'en procurer ici à l'étranger, mais c'est un projet quand même que ça sorte et que ça soit livré à Madagascar. Exactement, ce serait incomplet si là, à Madagascar, exactement, le terrain où tout se joue serait privé de l'ouvrage. Alors nous, on espère vraiment que les libraires ont joué le jeu et que le livre puisse arriver le plus tôt possible à Madagascar pour que chacun puisse vraiment profiter et surtout ne pas juste lire et rigoler, mais que chacun puisse prendre les mesures nécessaires, chacun à son niveau, selon ses fonctions. Pour qu'on puisse quand même... Il y a tellement de choses à faire et à refaire à Madagascar. Et si on se dit c'est à lui de le faire, pas à moi, on va perdre beaucoup de temps. Mais ce que je souhaiterais, c'est que des personnes qui ont quand même les manettes, les leviers pour vraiment changer les choses, puissent réaliser qu'à leur place, ils peuvent faire la différence, quoi. Et si quelque peu on aurait réussi de ce côté, ce serait vraiment la victoire. Du moins pour nous en tant qu'auteurs, on n'aura pas perdu notre temps, quoi. Merci beaucoup de ces échanges, Pauve. Juste un dernier mot. Il n'y a pas que cet ouvrage hein, que Pauve a écrit. Je sais même que pendant le confinement, il y a eu un ouvrage, je crois, c'est Dictature à Africaville. c'est ça, qui est sorti en plein confinement. Pauve, il est un peu partout, sur tout ce qui est d'écriture, roman aussi. Un petit mot Oui. sur cette approche roman de ce Alors, livre. je fais de la bande dessinée, c'est une passion depuis l'enfance, à côté du dessin de presse. Et j'ai eu l'occasion avec mon ami Doua, qui est à Madagascar, qui est un dessinateur, qui est scénariste. On est invité dans les salons de bande dessinée, tout ça. En 2005, on a débuté une collaboration pour pouvoir éditer des livres et le faire savoir au plus grand nombre, de préférence même à l'étranger. Et on a trouvé un éditeur qui est à La Réunion, qui s'appelle Des Bulles dans l'Océan. Et cet éditeur a accepté d'éditer nos livres. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure de Fidi Rémi, qui a débuté avec Méga Complot à Tananarive, enchaîné avec Coup d'État à Tamatave, un petit one-shot qui s'appelle Lundi Noir sur l'île Rouge pour raconter ce qui s'est passé en 2009. Et maintenant, Dictature à Bricaville. C'est le côté romanesque. Que l'on ne peut pas traiter dans les dessins de presse, bien sûr, mais qu'on aime aussi raconter des histoires de la vie de tous les jours sous un autre angle que le dessin de presse et qui Mais nous permet est-ce qu'on quand suit même un petit peu aussi le fond, il est quoi? C'est quand même l'histoire un petit peu de ce qui se passe à Madagascar, mais romancée ou Oui, c'est des romans? exactement. Comment on se nourrit de ce qui se passe autour de nous, quand même, pour compléter l'image derrière le background, comme on dit. Donc, c'est forcément, ça tourne autour de Tananarive, de Tamatave, de Madagascar, de Brickaville et tout ça, avec le contexte politique, on n'y échappe pas, la corruption, les xénophobies, on ne dit pas xénophobie, disons le racisme bizarre à Madagascar, interethnique et tout ça, les riches et les pauvres. Toutes ces genres de choses-là qui viennent alimenter l'histoire un peu. En fait, on fait des histoires romanesques, vraiment, des histoires d'amour, des histoires d'étudiants et tout ça, mais quand même, il faut les situer dans un certain contexte qu'on finit par retomber dans le contexte malgache et du coup, on se retrouve à deux niveaux de lecture, l'histoire en elle-même, mais aussi le contexte qui est raconté en filigrane. Et toujours en fait pour un petit peu nous amener quelque part hein, dans la vie malgache finalement. Et je vois aussi, vous avez un Pilaravnach là, un t-shirt. Oui. Ça va ou pas Ça, c'est la petite création avec Swern Oui. qui imprime des t-shirts à Madagascar. Donc, Pov by Swern, c'est le label.
On a fait quelques t-shirts qui portent des messages, puis la Ravnach, justement, pour ceux qui sont partis à l'étranger et qui aiment les Ravnach, où sont les herbes vertes, quoi. On a fait une petite série qui sont assez sympas de t-shirts. Et comme vous dites, je suis dans l'univers du dessin, mais du message également, les choses un peu engagées. Donc, ça marche bien de s'engager dans les dessins, sur les t-shirts et tout ça. Et mine de rien, j'en ai tout un stock chez moi, donc je ne vais pas acheter des t-shirts, je porte le mien, quoi. Ok, merci hein, beaucoup, Pov, et puis pour la sortie de cet ouvrage qui est tout chaud finalement, hein, ça fait pas deux semaines. Eh bien, ça, vous allez sur Internet, hein, le site de l'Armator, mais aussi sur les autres sites. On va conclure en malgache, si vous voulez bien. Afatrafui ou un repanaracano na vos ovo ma fantachano yan kumzana amni pien ni kaskia. Ni afatrafui zan dewe, man mi ftonanareo omni page Facebook quoi, pov journaliste, tim tuyoni tatarana tsaran zava misi andavanange, tsandavanange, moun mumba le bukia, amantani amni kfarchapuk, te antani rambulat smisa tomnaro de afakana farana visa, satri mar mantani aizan aitanazia. Et ça nous fait oulana na rousse ni panoutan pouk, ça nous entend une fois que nous avons des ismes à la fâche amnaï, des taterna makan pouk. Ça est tout. Nous sommes en train de dire, manarakan pandara, na makasita kanawa, na nita na nazna na tatit. Sota po. Somaro. Gascar. Somaro. Gascar. Sirasir. Favota patapany. Tutulni kanto malagasy, kulturaly, fomban-drazana. Gascar.